Les grandes banques centrales ont décidé d'une action conjointe pour étendre leur capacité à fournir des liquidités aux établissements financiers. Cette opération très technique appelée swap consiste à échanger des devises contre des dollars entre banques centrales à des taux très réduits. Les marchés actions et le secteur financier réagissent très positivement. Les cambistes suivent et retrouvent le goût du risque. La monnaie unique européenne repart à la hausse face au dollar. L'euro se rapproche des 1,35 à 1,34,90. Et du côté de la parité dollarienne, le billet vert est toujours en position de faiblesse. On est à 77,51 yens pour 1 dollar dans les premiers échanges à Wall Street.